Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire une perruque crochet. Perruque à deux nattes. Je vais utiliser ma cape 8 bonnet et à l'aide de mes épingletés, je vais bien le tirer. Bien le tirer mes chéris. Voilà, et je vais prendre ma dentelle suisse qui est la même incarnation que moi. Voilà. Que je vais placer, je vais la couper sous forme de frontale. Vu que c'est deux nattes que je vais réaliser, il faudra aussi que je place ma dentelle suisse au milieu. Ma dentelle suisse n'est pas grande en largeur, en longueur oui, mais pas en largeur. Raison pour laquelle je vais d'abord placer ma frontale et couper et après replacer le reste du milieu. Mais celles qui ont les dentelles suisses larges en longueur qu'en largeur peuvent le faire directement. Il n'y a pas de problème. À l'aide de mon fil et de mon aiguille, je vais coudre ma dentelle suisse sur mon bonnet. Bien coudre mes chéris avant de couper le bonnet qui va se trouver en bas de la dentelle suisse. Seulement le bonnet qui va se trouver en bas de la dentelle suisse en forme de frontale. C'est seulement là on va couper. Mais au niveau du milieu là, on ne va pas du tout couper. On va laisser ça comme ça. Raison pour laquelle j'ai doublé au milieu là-bas. Par contre, au niveau de la frontale là, je n'ai pas doublé ma dentelle suisse. Alors pour marquer mon milieu, je vais utiliser le concealer et faire un trait au milieu. Je vais utiliser le crochet à mini bout pour faire la frontale, le milieu, en fait pour faire toute la perruque. C'est seulement avec le mini crochet qu'on va travailler. J'ouvre mon crochet, je le fais entrer dans ma dentelle suisse. Je prends la mèche sélectionnée, je referme mon crochet, je le refais sortir, je reviens au-dessus de la dentelle suisse pour prendre encore ma mèche, toujours la même mèche sélectionnée là, oui, et je retire pour former un nœud, tout simplement.
Si vous avez bien remarqué, c'est au niveau de la dentelle suisse que j'ai fait les crochets. Mais au milieu là, il faut bien mettre les mèches là-dessus pour que quand on est en voulant faire sa natte, que le bonnet ne soit pas visible après. Il faut bien mettre la mèche là, il faut bien camoufler ça. Une fois mon crochet terminé, je vais bien brosser ma perruque et je vais mettre la lotion que j'ai fabriquée moi-même. En fait, j'ai juste mélangé trois trucs. Hein. J'ai mis l'huile Melissa, le correctif Dark and Lovely et un peu d'eau. Voilà, je vais bien peigner ma perruque. Pour celles qui aiment les baby, elles peuvent réserver avant de faire la natte. Mais celles qui n'aiment pas peuvent faire la natte directement. Voilà, mes nattes sont prêtes. Je vais prendre de l'eau chaude,
je vais mettre le vinaigre à l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai utilisé le vinaigre blanc. Je vais poser ma perruque 10 à 15 minutes. Et après, je vais changer de l'eau. Mais cette fois-ci, je vais prendre de l'eau tiède. Et je vais mettre le conditionnel dedans. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser l'après-shampoing. Oui. Et j'ai encore fait reposer ma mèche 10 à 15 minutes. Et après, je l'ai fait sécher à l'air libre. Vous pouvez le faire avec un séchoir, il n'y a pas de problème. Alors, pour la pose des perruques avec frontal, il y aura des vidéos spéciales pour ça. Ne vous inquiétez même pas. Et tous les produits et accessoires que j'ai utilisés, bien que j'utilise dans toutes mes vidéos, sont disponibles chez Tanaji. Donc, vous savez quoi faire. Encore merci, merci à vous. On est à 10K. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir comment. Ça me fait trop plaisir. Merci pour votre présence. Vous avez eu confiance, vraiment. En tout cas, je vais pas vous décevoir. Non, non, par la grâce de Dieu. Inch'Allah, je vais pas vous décevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de laisser toutes vos questions en commentaire. Bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.